Salut YouTube, Eric Le Goat chez Galago Music pour vous offrir aujourd'hui les résultats du Galago Défi numéro 2 qui portait sur le morceau Désolé pour hier soir de Trio. Donc vous avez été 20 tout rond à participer, donc merci beaucoup à vous tous. Vous avez fait de l'excellent travail, déjà rien que le fait de l'avoir fait, vous avez déjà relevé le défi. Alors oui, oh, il y a des travaux, je profite d'une accalmie pour parler vite. Je ferai pas durer donc le suspense beaucoup plus longtemps, attention, roulement de tambour. Et la feuille avec toutes les infos dessus, très important. Le gagnant de cette deuxième édition et le nom de la chaîne c'est Nance Fornes, ouais. Bravo les gars, bravo, ouais. Franchement, c'était un putain de cover, c'était hyper festif, c'était hyper bien en plat, vous aviez tous la wash. D'excellents moments, voilà, bravo les gars. Donc je vous enverrai des médiateurs, faudra que vous me filiez vos adresses postales et tout, via mon mail, tout ça, tout ça. Et à la fin, je vous dirai donc quel est le petit truc en plus. Alors vous verrez. Alors ensuite, parce que c'est compliqué de ne trouver qu'un gagnant, hein, je trouve ça un peu injuste. Donc il y a encore deux coups de cœur. Le coup de cœur numéro 1 avait déjà participé dans l'édition précédente. Et je ne pourrais pas faire autrement que de passer ici. C'est Geoffrey Luix. Ouais. Voilà, avec la foule en délire derrière et tout, histoire de situer. Voilà. Je ne sais pas combien de temps t'as passé dessus, Geoffrey, mais c'était excellent. Donc, si vous n'avez pas vu sa vidéo, c'est les trois personnes de trio. Le gars, là, le guitariste Geoffrey, il s'est filmé trois fois avec trois instruments différents. Et il a fait un montage de tout ça. Bravo. Excellent. Le coup de cœur numéro 2. Surprise, et Alexis Fossabri, ouais. Wouhou. Bravo, un super duo les gars, c'était bien en place, pareil, c'était carré, vous aviez la pêche et tout, vous l'avez bien interprété, chacun à votre tour, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors comme il y en a d'autres aussi qui m'ont plu, je refile, j'ai recréé pour l'occasion la catégorie Espoir, avec... guitariste même. Ouais. Je crois que je l'avais déjà signalé dans un précédent concours ou je ne sais plus. En tous les cas, il a fait un super taf, pareil, un cover tout seul et tout, qui est bien tenu d'un bout à l'autre. La classe, quoi, bravo, continue. Guitariste même, excuse-moi, je sais pas ton prénom là, comme ça. Et j'ai inventé une catégorie, alors il n'y aura peut-être pas à chaque fois, mais la catégorie de la plus belle gratte qui revient à quelqu'un qui avait participé déjà à la première édition. Et qui se nomme Vincent Questelot, ouais. Franchement, en plus, t'as fait un cover vachement cool, hyper rock et tout. Mais bon, voilà, il n'y a pas de place non plus pour tout le monde, donc il fallait quand même que je te signale dans l'histoire. Voilà, donc je vous enverrai à tous les Galago Mediator, là, voilà. Il y en a 4 en plus, dit de différentes couleurs. Donc vous en aurez 4 chacun, voilà. Et je, donc, vous donne maintenant, parce que c'est comme ça que je vais faire à chaque fois, le nom de tous les participants. Et éventuellement parfois des petites interventions comme ça. Nous allons, alors donc c'est par ordre de chronologique, hein, voilà, là où ils sont apparus. Alors nous commençons par Mr. Jules aussi qui a fait un super cover comme il sait faire, hein, c'est-à-dire, vous lui donnez un titre, il en fait complètement autre chose et ça sonne quand même. Bravo. Nous avons ensuite eu Ubiox, nous avons eu Clara, cool duo, nous avons eu bon, les Nance Fornes, bravo les gars. Il y avait Marius, Max and Company, il y avait Honey Pony, que j'appellerais Jack White, parce qu'il y a un petit air de ressemblance. Il y a eu Thomas, il y a eu King DJ, il y a eu donc Guitarist Man, il y a eu Vincent avec sa gratte de feu, il y a eu Arnaud, Alexis, Geoffrey, donc Lily Tour, Sotomoko, Nargrex, Abigail, je crois qu'au printemps c'est comme ça. Angie, ça crée un duo de filles, yes, c'était cool, ça fait plaisir. Et pour terminer, Jean qui avait fait son truc sur SoundCloud. Voilà, donc merci déjà à tout le monde. Et donc maintenant, je vous donne le petit cadeau en plus pour les 4 gars. Alors, je sais pas comment on va s'organiser, mais bon, voilà, j'ai acheté une webcam, bonne qualité, 720 dpi, je crois, pour faire des cours via Skype. Ah, donc là, l'idée, ce serait de vous offrir... Alors, soit vous quatre avec une seule caméra, soit quatre gars avec une multiconférence, je sais pas, la technique, ça m'angoisse. Mais voilà, ce serait de vous offrir une heure par écran interposé. Voilà. C'est un principe que je vais mettre en place aussi sur mon site très bientôt. J'en parle depuis des lustres et des lustres, notamment Sylvain Veillette, que je salue du Canada, qui m'avait demandé si vous pouvez prendre cours comme ça d'interpays sans avoir bougé de chez soi. Ça va être possible, les gars. C'est juste que... je prends mon temps pour faire les trucs, mais elles arrivent, les choses arrivent tranquillement. Voilà, donc je redonne le nom des gagnants. Nance Fornes, qui est le vainqueur de ce Galago Défi numéro 2, qui aura donc sa vidéo
sur la page cours gratuit du site. Nous avons le coup de cœur numéro 1 avec Geoffrey et le coup de cœur numéro 2 avec Alexis et son pote. Ainsi donc Guitariste Man et Vincent Guistelot. Donc, toutes ces personnes-là que je viens de citer, vous m'envoyez votre adresse postale via mon mail qui s'affiche là-dessous. Et comme ça, moi, je vous enverrai ça début de semaine prochaine, à mon avis. Voilà. Bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, j'ai une gratte et je m'en suis servi parce qu'on m'a déjà dit ouais, genre, t'as une gratte dans les mains, mais tu parles et tu joues pas, c'est naze. C'est pas faux. Mais voilà, je pense pas forcément. C'est juste que quand je l'ai pas, j'ai l'impression d'être à poil, en fait. Voilà, là, elle m'habille, elle me tient compagnie. Voilà, je peux la bouger dans tous les sens, elle me suit. Elle est fort serviable. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous très bientôt pour le Galago Défi numéro 3. Merci à Miss Jules qui s'est occupée de toute la logistique, encore une fois. Si vous voulez les informations et tout ça, c'est sur la page Galago Fan de Facebook. Voilà, si vous voulez participer, tout ça. Donc, je vais filer 5-6 morceaux. Et ce sera à vous de voter. Pour savoir quel serait le tuto qui vous ferait plaisir pour la prochaine reprise vidéo. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir. À très bientôt, bonne guitare à tous, ciao.